Et bonjour, rebonsoir tout le monde. On est de retour dans Little Nightmare 2 et on va continuer l'histoire avec Mono qui a été séparé de son ami et on sait pas où il est. On va explorer un petit peu la nouvelle zone dans laquelle on est arrivé, c'est-à-dire un grand escalier qui mène à des étages. Oh, attendez, regardez ça. Ah ben comme quoi, il y avait ici un enfant dépixelisé. Ou un spectral, je sais pas comment on dit. Bon, enfin bref, on est dans une école. Et c'est pas la joie. La prof est une véritable psychopathe. Et malheureusement, les élèves sont des poupées meurtries, kidnapping. Enfin, qui sont spécialistes du kidnapping, je crois que vous m'avez compris. Et d'après l'horloge, j'ai à peu près 6h moins 7. Ou 6h moins 8. Ça dépend. Et il va nous falloir une clé. C'est sympa. Et là, il y a les livres en fumée. On va éviter de s'avancer. Bon, on était là. On avait réussi à échapper à cette prof au coup de girafe. Ou de diplodocus, vu la taille. Ah, ça on peut ramasser. Ah, d'accord. Ou attendez. Ça pourrait peut-être marcher. Ça veut bien arrêter de bugger le jeu. Ah, génial. C'est bon. Et voilà. Et on se retrouve dans une salle. Celle d'échec. Génial. Il va y avoir un truc à faire avec tout ça, je présume. Putain, il est flippant là, l'œil. Hein. Tiens, se disant passant, il y a... Ah, évidemment. Donc. Je crois que ça explique quelle pièce on doit trouver. Ou placer alors. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais tant pis. Non mais je veux. Mais je voulais pas que tu lances. Si j'en crois le schéma, c'est par là. Ça là. Attendez une minute. Je pense à un truc. Ouais. Bon, si j'ai bonne mémoire, ce qui est malheureusement n'a pas l'air d'être le cas, la tour, elle se met de ce côté. Ok, attendez, je crois que j'ai compris l'astuce. Ça va falloir refaire comme avec la porte. Pour atteindre la tête du roi. À moins que ce... C'est un roi ou une dame? Non, ça va être... Non, c'est le roi. Reviens là. La tour, on la met de l'autre côté. Par ici. D'ailleurs, se dit en passant. Mono, tu. Non, mais non, mais non!
Bon ben zut. Hein. Et ça va là normalement. La lumière est allumée. Et le type, il a une drôle de moustache. Et il y a une sorte de lumière. Et il y a une lumière derrière. Il y a quelque chose là. Attendez, sur la lampe. Attendez, je vais essayer de lancer ça sur la lampe, enfin si j'y arrive. Vous voyez pas parce que là j'ai l'impression que c'est une clé. Attendez. Ça sera peut-être plus facile. Bah non, si en plus. Ah d'accord. D'accord. Ok, je me suis complètement gouré. Et un petit canard en plastique. Par ici la clé. Et on va se barrer d'ici avant que celui-là ne prenne vie. On sait jamais. Dans cette école, on peut s'attendre à tout. Okay, ils sont sympas les petits dessins de chiens sur le côté. Mais moins marrant que la moustache. Ça a rajouté un petit peu de déco sur le portrait. Bon allez, de toute façon on a un ami à retrouver. D'ailleurs, je sais pas, on sait toujours pas comment s'appelle l'autre personne. Eh ben, faut pas dire que ce soit la joie ici. À mon avis, je crois qu'aujourd'hui c'était les épinards. On va se servir de ces plateaux, je parie, pour monter là-haut. Il y a une petite fenêtre. Juste avant. Est-ce que par exemple on peut ouvrir cette porte? Est-ce que je pensais? Attendez, on va passer par là. Ouais, j'aurais dû passer par la porte avant. Quoique je peux peut-être encore y arriver. Il y en avait d'autres en haut, oui, mais j'ai fait exprès. Allez, zut! Et zut, je crois que je viens de rater quelque chose. Bon bah tant pis, je ferai ça pour une prochaine fois. Oh, ah, j'ai pas le bon réflexe. Fallait prendre la cuillère et lui frapper dessus. Ah bah quand c'est pas les élèves, enfin quand c'est pas la maîtresse, c'est les élèves. Quoi? Je l'avais frappé!
Ouais, à mon avis, faut pas que je me trompe, hein. Il y en a déjà pas mal. Il faut être cru. Quoi? Il était pas assez prêt? Ah bah dis donc, Mono va falloir faire mieux, hein. Sente, je sais pas ce qu'ils font en cuisine. Mais c'est... Ouf. Oui, ta. Mais non, c'est n'importe quoi, là. Ah ben voilà. Ah ben voilà, ça en fait trois. Et voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, j'ai vu ses yeux pour rigoler, mais... Il croit pas, on peut vraiment se déguiser comme ça. À quoi que... Vu ce qu'il y a à côté, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, j'ai pas à dire, ça me rappelle l'école. Ils sont combien d'ailleurs? Je sais que ce sont des poupées, mais est-ce que les parents sont au courant de ce qui se passe? Bon sang, c'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Pas étonnant que la prof soit stricte avec des cauchemars ambulants. Ah bah au moins il y a de l'ambiance. Bon, ils ont qu'une seule prof et ils ont pas de surveillant. Quel est ça, amusant le petit bruit. En tout cas, maintenant, on n'a pas intérêt à se faire repérer. Bon, fallait bien monter, apparemment. Et je me suis trompé de bouton. Pourtant, c'était bien celui-là. Dans le doute, on va monter en haut. T'es pieds nus, tu viens de marcher en duvet, ça te fait pas mal normalement. Oh, attendez. Ah d'accord. Faut
J'ai vraiment un cerveau dans la main. Sérieux? Alors, oh, voilà la prof. Va être pour la dissection. Je suis pas là. Pourquoi est-ce que j'ai ce cerveau dans les mains d'ailleurs? Je me pose la question. J'espère que ça aura un quelconque intérêt. Il va falloir que je monte sur les tables. Oh ben le cerveau, je lâche, il me sert pas à grand chose en fait. Te planquer. Ah, c'est pour le cours d'anatomie en tout cas. En tout cas, on est chaud, j'ai pas envie de me faire avoir à nouveau. Censé faire comment à ce moment-là? Je crois qu'on va encore devoir montre ce qui est le pire, les élèves ou la prof. Quoique les deux sont quand même spéciaux. L'un est plus nombreux, l'autre est coriace. Reste dans l'ombre. Au final, la cervelle, elle a servi pas à grand chose. Cache pas que ce sont pas de faux morceaux humains. Je crois que ce sont des vrais. Et la série évidemment a disparu.
doucement cette fois. Doucement. Elle a quand même une drôle de démarche, je trouve. On a réussi à lui échapper. Enfin, pour l'instant. Aïe. Non, je peux pas passer par là. On va repasser par ici. Ok. C'est reparti pour un tour. Enfin... Quoi? Ah ouais, le marteau il est trop là en début. Attends, mais sérieux? Mais sérieux? Quoi? Non, mais c'est pour vrai là. Mais c'est le nid vraiment l'école qui veut ta mort. Hein. Si je me débrouille bien, il y en a deux qui peuvent être tués. Rien qu'avec. Ouais, bah en fait, j'ai pas le choix. C'est le marteau. Genre. Je crois que c'est le jeu où je suis mort le plus de fois. Non mais ça... Mais non, ça y est, sérieusement. Sérieux. Ouais, je suis naze. L'école, ça ne me réussit, mais alors, pas du tout. Et de 1. Et de 2. Hey, KO. Cette fois, bon là je me fouillerai bien dans les tiroirs, mais ils sont tous fermés. Quoi? Pitié pas tout à recommencer. Oh merci. Je suis pas doué avec les marteaux. Hein. J'aurais dû me contenter d'un marteau piqueur. Je pourrais pas avoir une mitraillette de temps à autre. Mais je l'avais. Putain, il est. Putain, le marteau, il est vraiment à courte portée. Hein. Je sens que ce niveau va être plus long que prévu. Ah voilà. Faut que je fasse tous les mômes, c'est ça? Évidemment là je recommence tout le couloir.
suis sûr qu'en ce moment vous êtes en train de vous dire mais quelle naze je fais, mais quelle naze. Non, eh, bah, ah non, 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 c'est pas possible. Allez, Mono, dépêche. Eh ben, dommage que tu peux pas ranger ce marteau dans la poche, ce serait plus pratique. Ouh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Hein. Un piège que j'aurais au moins évité. Attends, ah, c'est notre ami. Enfin, notre ami qui est coincé en haut, et me dites pas que je vais recommencer. Merci, merci beaucoup. Je commence à me faire peur. À mon avis, ce jeu est fait pour nous angoisser à mort. Voilà. Ça fait plaisir de te revoir. Bon, attends. C'est ce qu'il faut faire. 3, 2, 1. Et voilà. Je ne fais rien là. J'imagine que c'est un bisoutage pour les nouveaux. Ça va? Plaisir de te revoir. Ah bah maintenant. La musique est plus douce, plus agréable. Allez hop. C'est le moment de s'en aller. Un piano, oh, c'est génial. D'ailleurs, en parlant de piano, excusez-moi pour le bruit. Et je parie que c'est comme dans le premier, il y a un succès en rapport avec ça. Allez, avouez-le, il y a un succès pour ça. Oui, j'en étais sûr. Succès monotone. Mais comme ça, au moins, ça sera fait. Tourne la manivelle, on tourne, on soulève ce piano, je sais pas pourquoi. Peut-être un petit peu de force gain dans les bras gamin, je te félicite. D'accord. Ah, faut sauter. Allez, j'ai cru qu'il fallait grimper à la corde. T'es prêt? Allez, en rythme. C'est parti. Une note en sol majeur. Il faut une clé pour passer par là, donc... Ouais, tu voulais me faire... Et puis me faire l'échelle. Alors, c'est parti. Ouais, je t'adore, mon ami. Ouais, tu dégages. Et une grenouille disséquée, on prend la clé
et on retourne à l'intérieur. Merci. Bon. Allez, maintenant, on se dépêche. J'ai pas envie d'avoir affaire à nouveau à tous ces cinglés. Et à la tête bizarre. Ah, ça va être la leçon de musique. T'es plutôt doué, toi, pour les étriper. Enfin, en même temps, t'as eu le droit à ta petite revanche. Non, c'est pas par là, sinon il se serait mis en position. D'accord, faut se mettre. Hop. T'avais besoin de ça pour grimper. Nous aussi on peut à partir de maintenant. Allez, aide-moi à tirer. Monte. Dans ces conduits d'aération, on en voit partout. Oh non, on va pas recommencer. J'imagine qu'avec la musique, on peut faire du bruit, mais là, c'est pas une bonne idée. On va s'arrêter. Je prends pas de risque. Alors que je fasse le détour, le retour aussi. C'était bien un cours de musique. Il va falloir que je m'en serve pour retourner en arrière. Heureusement qu'elle joue fort. Et dire que je suis pas du genre à apprécier le piano. Ça aurait été quoi s'il avait joué du triangle? On va juste attendre qu'elle ait fini pour histoire qu'on n'ait pas trop de problèmes.
Putain, attends, attends mon ami, j'arrive. Oh, génial. C'est dément. Il a le coup très long. C'est bon, je suis là. On y a échappé belle. Oh, j'en peux plus. Pitié faite qu'on arrive à la fin du niveau parce que là je crois que je vais craquer. Oh bah on dirait que ça. Hein. Allez viens, on s'en va d'ici. On va de cet endroit de fou. Y'a pas un truc à chercher là-bas par hasard? Je dirais pas, non. C'est trop loin pour qu'on puisse sauter. Mais je crois qu'on est vraiment à la fin du monde, on a réussi à s'en sortir. Et on traverse et... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vachement flippant. J'aurais pas habité dans un de ces immeubles. Ok, il fait un sale temps aujourd'hui. Pas un truc à fouiller là-dedans. Ça devrait aller. Et hop. Mais j'ai... Je crois que j'ai pigé. Voilà. Maintenant, on peut. Oh, c'est pas vrai. Je me trompe toujours de touche. Et voilà. Et tu viens. Faudra que je te trouve un nom, toi, par contre. Je vais t'appeler machin en attendant, hein, parce que... Oh, un petit bateau, il y a un succès avec. Ah ben non, il y a un collectif. Un personnage à trouver. Bon ben, il n'y a plus qu'à avancer. Hein. Il y a un petit truc jaune. Je me demande ce que c'est, on dirait une peluche. Ah ben non, c'est un. Attends. Non. Non. Succès déverrouiller une touche colorée. Six ? C'est toi ? C'était toi ? Attends, je comprends pas. À la fin du 1, on t'a vu qu'il avait obtenu un pouvoir complètement ouf. Alors comment ça se fait ? Non. C'est quoi le truc? Vraiment un truc là? Un chapeau? Ah ben non, je peux pas. Il y a un... Ah non, je comprends plus rien. Je me doute bien qu'on est dans le même univers, mais là, Six! C'est pas possible! Non. Ça peut pas. Ah oui, il faut qu'on grimpe dessus. Six, alors il faudra qu'on m'explique, hein.
Oh là 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 là. Six, carrément. C'est elle. Au final, c'est une fille et on a son nom. Six. Six, même. Bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Et comment ça se fait d'ailleurs? Il va y avoir un truc, c'est pas possible. Oh là 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 là. Si je m'y attendais. Non mais c'est pas possible. Bon, bah j'imagine qu'on va arriver à la fin du niveau là. Enfin, j'espère. Oui, ça s'appelle succès durier, scolarisation. Ah bah tu m'étonnes hein, qu'ils vous aient donné ça comme nom. Bon, bah mettez un pouce bleu si vous avez aimé et si vous avez aimé revoir Six, là c'est la surprise générale. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour voir comment ça se passe entre nos deux protagonistes. Ses commentaires sur les réseaux sociaux et expliquez-moi s'il vous plaît comment ça se fait. Putain, Six! Au revoir et à la prochaine. Parce que Six! Ça c'est en anglais mais en français c'est 6. 6, non mais. Là c'est dingue!